Bonjour à tous, bonjour Nathalie. Donc, on vous souhaite la Bonjour bienvenue ce Hélène. soir. Donc, à toutes les personnes qui sont avec nous en live et puis plus tard, toutes celles qui auront l'occasion de regarder le replay, on leur dit bienvenue. Donc, effectivement, c'est la conférence mensuelle des mamans lumineuses et des papas aussi, qu'on aime bien faire en visio. Parce que c'est vrai qu'on est une association ressources, donc on aime mettre des ressources à l'honneur. On le fait lors de notre conférence en présentiel 2 fois par an. Mais voilà, comme il y a beaucoup de parents qui sont éloignés géographiquement et à qui ça manquait et qui avaient l'impression qu'ils loupaient beaucoup de choses, on s'est dit qu'on allait mettre ça en place. On étant Caroline d'ailleurs. Caroline qui ne peut pas être avec nous ce soir, qui normalement est aux manettes et à qui on fait un gros bisou. Donc, je voulais simplement expliquer, effectivement, les mamans lumineuses et les papas aussi, notre mission, celle qu'on s'est donnée pour accompagner les parents au mieux, c'est de proposer régulièrement des ressources. Donc, soit des nouvelles idées à mettre en place pour faire face au deuil, soit découvrir des thérapies complémentaires ou se poser des questions un petit peu sur la spiritualité, l'après-vie. Et donc, pour ce faire, on fait appel à des spécialistes sur des sujets bien donnés. Et donc, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, avant de correctement introduire Nathalie qui est avec nous ce soir, les fleurs de Bac, ça nous est venu très spontanément et comme une évidence quand Corinne, notre ambassadrice de Lyon, il y a 3 semaines, a fait un post sur le groupe sur les fleurs de Bac. Et toutes les trois, nous trois coprésidentes, Caroline, Sandra et moi, on s'est exclamées quasiment en même temps dans un commentaire très synchronisé. Mais il faut qu'on demande à Nathalie Osmay. Donc voilà. Et donc on a concrétisé tout ça. Et pour ce mois-ci, on a décidé que la ressource du mois, ce serait les fleurs de Bac. Et donc Nathalie n'est pas inconnue aux mamans lumineuses. Puisque quand on a démarré tout ça à une plus grande échelle il y a 2 ans, et notamment qu'on a fait nos premiers pas sur les réseaux, qu'on a découvert le monde merveilleux des conférences live, etc., on est moins mort de trouille maintenant, je trouve. Et bien Nathalie nous a fait l'extrême gentillesse de faire une trilogie sur nous trois et sur l'association. Et donc, à peu, sur une période de 4 à 5 mois, selon les emplois du temps de tout le monde, Nathalie a reçu chacune notre tour, ben, Sandra, moi-même et Caroline, pour parler soit de nos projets personnels, puisque c'est l'année où Sandra et moi-même, on a sorti nos livres, soit plus en détail de l'association. Et ça, c'est Caroline qui s'y était collée. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube de Nathalie, vous pourrez retrouver ces petites pépites que c'est pas toujours facile de les re-regarder, mais c'est rigolo. Donc, voilà. Et puis, donc, Nathalie, oui. Nous suit depuis le début et a toujours des mots adorables pour nous. Donc, c'est avec grand plaisir que je la reçois ce soir pour parler de manière plus concrète, plus spontanée, plus réelle aussi, des fleurs de Bac. Donc, Nathalie, tu es vraiment la référente pro par excellence, parce que ça fait 26 ans que tu baignes dans les fleurs de Bac, que tu t'es formée au Centre agréé fleurs de Bac en Angleterre. Et que tu es toi-même formatrice maintenant. Donc, nous, les mamans lumineuses, de temps en temps, il y en a une ou deux qui mentionnent, par exemple, l'étoile de Bethléem ou la star de Bethléem ou Rescue. Voilà. Mais au-delà de ça, si tu veux, bah, on a un peu besoin d'une experte. Alors, on s'est dit qu'on allait te faire venir, que c'était mieux. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement du principe des fleurs de Bac? Et en quoi ce n'est plus une ressource qu'on a besoin de prouver de nos jours? Eh bien déjà, avant, si tu veux bien, je voudrais vous remercier tous d'être là et puis merci de m'avoir invité. Je ne vous cache pas que je suis très fière aussi d'avoir pu vous donner l'opportunité de faire vos premiers lives à mes côtés sur Instagram. Et ça, c'était une grande, grande joie. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc j'ai fait plusieurs lives avec Sandra et donc toi avec Hélène et Caroline. Et puis je vous ai découverte avec Sonia Barcala sur la suite de son bouquin. Et je suis vraiment heureuse aussi de pouvoir aussi partager mon savoir et mes connaissances. Donc tu as dit que j'étais effectivement conseillère agréée du Centre Bac en Angleterre et formatrice. Et donc je suis aussi auteure de livres. Pour ceux que ça intéresse, ils ont aussi, enfin, si vous avez envie aussi, pour ceux qui ne seront pas là, qui vont regarder le replay.
Voilà, je suis une des référentes, entre guillemets, mais on est beaucoup, hein, voilà, au Centre Bac en France à parler de fleurs de Bac. Je suis très active sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de partager. Et puis, je partage à ma façon, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement didactique sur la connaissance des fleurs, c'est aussi avec ma personnalité, ce que je suis. Et donc, sur les réseaux, bah, c'est vrai que je donne la parole aussi à des personnes pour essayer aussi de. Voilà, d'ouvrir un peu notre champ de conscience. Et je considère que ce que vous faites, voilà, aux mamans lumineuses et papa aussi, et toutes ces personnes qui ont traversé toutes ces épreuves-là, eh ben, ça me semble complètement essentiel et capital aussi d'aider aussi à soutenir toutes ces émotions. Parce que quand nous ne sommes pas, entre guillemets, traversés par ces épreuves-là, on a toujours une amie, la copine de notre enfant, je sais pas, notre voisine, n'importe qui. Ce n'est pas possible de ne pas être touché. Et donc, quand je parlais de Sonia Barcala, évidemment, tu l'as évoqué, Hélène aussi, hein, sur l'autre conscience d'une autre forme de vie qui n'est pas toujours palpable et dont on a tous plus ou moins vécu des expériences plus ou moins proches, mais c'est pareil. Les consciences s'ouvrent et ça me paraît essentiel aussi de partager ces moments-là. Pour ça aussi, j'ai une chaîne YouTube avec une playlist sur le deuil. Et le deuil, c'est très, très large. Donc, voilà. Et je suis contente et heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous. Donc, pour répondre à ta question sur les fleurs de Bac, pour rappeler les fondamentaux, alors, je sais que vous êtes peut-être, je dis je sais, j'en sais rien, peut-être utilisatrice ou utilisateur ou hyper curieux ouais, mais bon, ok, d'accord, c'est qu'un truc, mais bon, je ne sais pas si ça va marcher, on s'en fiche, à la limite, ce qui est intéressant, c'est de connaître un peu l'histoire. Donc, je vais vous montrer le personnage qui est Édouard Bach. Donc, toi, Hélène, qui a vécu en Angleterre, donc, heal thyself, tu peux traduire, c'est guéris-toi toi-même, on pourrait dire, c'est ça? Soigne-toi toi. Oui. Prends soin de toi, voilà. Hein, et donc, ce monsieur qui s'appelle Édouard Bach est né en Angleterre et il est devenu médecin à l'âge de 26 ans. On est en 1912 et il est connu pour avoir dit, bah, ça c'est son assistante hein, qui parle comme ça et qui dit, je vais mettre 5 ans pour oublier tout ce que j'ai appris. Et donc, dans cet ordre des choses, 1912 jusqu'à 1922, il va devenir chirurgien, immunologiste, bactériologiste. Il va devenir homéopathe et il va abandonner la médecine traditionnelle pour s'occuper des plantes. Et donc, il va trouver 38 fleurs. Donc là, j'en ai qu'un petit échantillonnage. Et donc, tu as parlé de Star of Bethlehem que j'ai montré aussi tout à l'heure. Et avec ces fleurs-là, il va commencer à aider ses patients, puisqu'il est médecin, juste avec 3 fleurs. Et avec ces 3 fleurs-là, il aura de tellement bons résultats qu'il va fermer son cabinet de Londres pour aller chercher avec son assistante plein de fleurs dans la nature. Et ça va durer entre 1930 et 1936. Et il va vivre dans une petite maison que je vous ai apportée ici. Vous la voyez, voilà, la petite maison ici, qui est Oh. dans le Oxfordshire. Donc tu dirais Oh, certainement mieux que moi. oui. C'est un petit cottage, voilà, qui se trouve dans la région d'Oxford. Ford et à peu près un peu moins de 2 heures de Londres, ça dépend de la circulation. Et donc il a vécu ici avec son assistante pendant 2 ans et on appelle ça donc le Centre Bac. Hein, tu as dit que j'avais été formée au Centre Bac donc en France, hein, mais j'ai eu la chance dans mon parcours en 2001 d'aller faire mon niveau 3 là-bas parce qu'il y a 3 niveaux de stage pour devenir ce qu'on appelle dans notre jargon conseiller agréé du Centre Bac. Et donc bah, c'est notre titre honorifique en anglais, on dit BFRP. C'est B pour dire batch, parce qu'en anglais, on ne dit pas bac, on dit batch. F, c'est foundation. R, c'est registered. Et P, c'est practitioner. Et en français, on appelle ça conseiller agréé du centre bac. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Bah, c'est parce que je suis extrêmement fidèle aux propos de bac. Les propos de bac, c'est aussi toute une philosophie. C'est la capacité pour nous de nous découvrir, d'être dans cette forme d'humilité, de simplicité et de compassion à l'égard des autres et de nous-mêmes aussi. C'est prendre du temps aussi pour apprendre à décoder notre émotionnel. Et notre émotionnel, c'est toutes les strates en fait qui vont aller autour de toutes les interprétations et de tout le vécu que nous allons traverser dans notre vie en fait. Et je dis aussi les interprétations parce que quand on est plusieurs dans une famille, et en l'occurrence là, je m'adresse quand même à des personnes qui sont aussi traversées par le deuil, eh bien on aura tous nos filtres évidemment émotionnels. Et donc c'est pas, on va pas juger le deuil, on va juger l'émotion qui va découler de cette épreuve-là. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce
système-là, c'est d'aller décoder au cas par cas, avec beaucoup de finesse et beaucoup de singularité, la spécificité humaine de chacun de nos vies à nous. Et il n'y a pas de protocole à appliquer sur telle et telle personne. Alors bien sûr, tu as cité cette fleur, évidemment, je vais en reparler parce que c'est la première vente mondiale et nationale, hein, donc on parle bien de cette fleur qui nous parle du deuil, du chagrin, de la tristesse, de tous les stress post-traumatiques, de tout ce qui a été vécu. Comme quelque chose qui est de l'ordre de la sidération qui va nous figer dans cette tristesse infinie. Et donc ça, c'est effectivement, c'est une fleur auquel on peut faire référence, mais dans les 38 fleurs, on peut sélectionner celle qu'on veut et on va composer notre propre mélange personnel pour aller comprendre comment on traverse la situation. Et donc c'est Il y a la compréhension de la fleur qui va nous être donnée, mais il y a surtout notre propre compréhension. Et c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est que on est aussi responsable de notre état émotionnel. En comprenant la lecture de la fleur, on va voir comment on arrive aussi des fois à évoluer par rapport à ce qui nous paraissait tout à fait insurmontable ou insupportable ou impossible aussi. Eh bien, il y a des petites nuances des fois qui se mettent en place grâce à l'accompagnement des fleurs. Voilà. Après, je reste très humble. Moi, ça fait donc 26 ans, comme tu le disais, que je suis dans les fleurs. Je les ai découvertes en 98. Je suis tout le temps dans l'apprentissage de qui je suis au quotidien. À mon sens, il n'y a pas d'acquis. Il y a une forme de certitude par moment parce qu'il y a une forme de bien-être et d'allégresse, etc. C'est OK. Il y a des coins un peu moisis. Vous savez, c'est comme dans les appartements ou dans les maisons. Il y a des placards où on ne va pas trop les regarder parce que waouh, ça fait trop peur ou ça fait mal ou ça gratte, ça pique, ça sent mauvais. Voilà, et on ferme le truc très vite. Et puis, il y a des moments où on est aussi des fois dans le hockey, de toute façon, là, je peux plus, il faut vraiment que j'aille voir, quoi. Et puis, des fois, c'est des petites choses du quotidien, des trucs qui nous agacent, et on se dit, bon, bah là, arrête, reste pas comme ça, reste pas en boucle sur ce truc, voilà. Donc, quand je dis que je reste très humble, c'est que, voilà, j'expérimente aussi les fleurs de ma vie, hein, parce que je ne suis pas qu'une accompagnante, je suis aussi une femme qui vit aussi des chemins de vie, des épreuves, des situations comme tout à chacun. Et donc, j'apprends aussi à me décoder, à me découvrir au fur et à mesure. Et j'espère non pas être la meilleure version de moi-même, parce que je pense que à chaque instant de nos vies, on est certainement la meilleure version de nous-mêmes. Bah, franchement, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà. Voilà, on est souvent des warriors aussi de nos propres vies. Et voilà, il faut faire avec ce que l'on est. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas cette notion de culpabilité ou de stigmatisation de telle et telle chose. On va prendre l'émotion telle qu'il se présente sans nécessairement aussi des fois aller tirer le fil de l'histoire de la petite enfance ou du trauma, etc. Alors bien sûr que ça va donner du sens à notre émotionnel, mais on n'est pas obligé non plus d'aller creuser. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut rester aussi entre guillemets en surface, tout en restant dans la pudeur et dans le respect de chacun. Tu voulais dire un truc, Vraiment Hélène? l'instant présent, ouais, vraiment tu parles là de Ouais. comment on se sent à un instant donné, Carrément. d'aller chercher cette émotion-là et de l'analyser elle, et pas de se perdre, aller dans les méandres du passé à vouloir C'est résoudre ça. des choses. Voilà. Donc Ouais. là, on... Et puis si ça arrive en plus, bah, des fois tant mieux, hein. Je veux dire, des fois on va aller dans le passé, c'est OK. Mais je veux dire, c'est pas la vocation. Bref, je vais aussi mettre une précision, Hélène, c'est que ça n'est pas une thérapie, les fleurs de Bac. C'est pas la vocation des fleurs. La vocation pour Bach, c'était traiter les êtres vivants, donc les soigner, et les soigner au sens large du terme. Lui, il était médecin, mais on peut soigner aussi tous nos corps et nos corps émotionnels aussi, parce qu'on sait qu'il y a une incidence entre nos émotions et le corps qui va aussi des fois prendre le relais, hein, parce qu'on voilà, on a des maux qui vont se déclarer des fois parce que notre émotionnel est en état de déséquilibre. Et c'est ça que met en lumière Bach, en fait. Pour lui, il dit tant qu'on n'est pas en harmonie avec notre âme, alors comment être en harmonie avec son âme au quotidien? Bah, ce n'est pas toujours quelque chose de facile et ce n'est pas non plus une promesse. C'est une quête de chaque instant. Et je pense que voilà, tu as parlé aussi d'une autre forme de vie. Moi, j'ai parlé des EMI avec Sonia Barcala. Et bien, voilà, à mon sens, l'âme, elle s'incarne. Et donc, à partir du moment où elle s'incarne jusqu'à l'âge que nous avons actuellement, il y a des étapes de vie et c'est une quête perpétuelle. Et donc, il n'y a pas.
C'est le sens de la vie, à mon sens, c'est d'essayer justement d'être au mieux de ce que l'on a à vivre au moment où on le découvre. Et après, si on trouve le sens, bah, tant mieux. Mais voilà, après, chacun fait son histoire aussi par rapport à ça. Et ça peut être bien sûr un supplément d'une thérapie, mais la vocation des fleurs de Bac n'est pas thérapeutique, entre guillemets. Non, tu clarifies en fait que les fleurs, c'est un soutien. Ouais. C'est un soutien Égal, et carrément. un soutien. Voilà. Et un soutien qui varie selon telle ou telle personne. Ça ne va pas forcément être la même fleur pour tout le monde pour la situation donnée. Donc toi, tu es quelqu'un qui sait te décoder toute seule. Mais quand on découvre tout Oui. cet univers-là, comment on fait? Alors, tu me dis que je sais me décoder toute seule, oui, mais des fois, tu vois, quand le truc il est comme ça et que tu as la tête dans le guidon émotionnel, c'est pas toujours simple non plus, tu vois. Bon, après, j'ai 61 ans, je pense que j'ai vécu un certain nombre de choses aussi. J'évite de m'éviter. Ça, je sais que c'est. Enfin, je veux dire, avec le chemin que j'ai fait avec les fleurs, franchement, depuis 26 ans, et je ne les ai pas toujours prise non plus sur 26 ans, hein, c'est pas de toute façon contigu. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai carrément zappé, voilà. Et puis c'est comme ça. Après c'est mon chemin aussi. Et il y a des moments, voilà, il faut rester simple aussi et humble. Et il y a des moments où on a besoin du regard de l'autre parce qu'on ne se voit pas on réagir ou agir avec suffisamment des fois de discernement ou de clarté. On peut voir un ensemble de choses, donc si je vais pouvoir décoder certaines émotions et je vais pouvoir me soutenir. Et puis il y a des moments, parce que nous on appelle ça tu sais, des pelures d'oignons. Bac, voilà, centre-bac, on parle ça comme ça. Donc tu vois, on va traiter les couches qui arrivent au fur et à mesure. Donc par contre, quand on est ensemble dans un entretien fleur de bac, on va être voilà, en face-face et qu'on va poser des questions. Et des fois, tu sais, le fait juste de s'entendre parler à travers les oreilles et le regard de l'autre, mais c'est pareil avec des potes, hein, c'est pas qu'un entretien de fleur de bac, eh bien, il y a des moments où on se dit ah ouais, ok, je m'étais même pas rendu compte que ça allait au-delà de ce que j'imaginais, que je pensais émotionnellement. Et donc, du coup, oui, d'être soutenu avec un spécialiste en face, eh bien, oui, ça permet d'aller bien plus loin et. Voilà, et d'être dans cette délicatesse et cette finesse aussi. Et puis des fois, tu sais, alors, je ne sais pas si c'est des systèmes de survie, parce que j'ai une autre thérapie à mon. Enfin, là, pour le coup, ce n'est pas une thérapie, mais là, c'en est vraiment une. C'est la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Et donc, j'ai aussi une forme aussi de compréhension de notre psyché, tu vois, on a aussi des garde-fous pour pas aller voir, et c'est humain. Et encore une fois, je ne stigmatise rien, je ne pose pas de jugement, et je suis moi-même aussi dans ce jeu-là. Mais on a aussi des besoins de ne pas aller voir par moment parce que on n'a pas envie non plus que ça nous pète en pleine poire. Et du coup, c'est nécessaire aussi des fois de pas aller fouiller entre guillemets ces strates émotionnelles. Donc on prend vraiment que ce qu'il y a en surface de ce qui est proposé à l'instant T. C'est pour ça que c'est extrêmement délicat et très subtil l'épluchage de l'oignon émotionnel. Parce qu'on ne va pas, tu vois, prendre un oignon, donner un grand coup de couteau dedans, en disant, allez, c'est là que tu dois aller, c'est là que tu as mal. Non. Il y a des trucs qu'on sait, il y a des trucs qu'on voit, il y a des trucs qu'on dit, ok, je vais y aller step by step, tu vois. Et puis, bah, ça va se déliter au fur et à mesure où notre esprit, notre âme, notre corps, notre conscience, peu importe, sera en mesure de regarder avec clarté la couche émotionnelle qui est la suivante, tu vois. Et ça, c'est chouette. Donc, du coup, voilà, c'est très délicat et c'est très respectueux. C'est ça qui est important aussi. Un oignon, ça fait pleurer, hein. On l'épluche pas n'importe comment. Ouais, mais des fois, alors je ne sais pas toi ou je ne sais pas vous, mais moi, il y a des moments où je coupe des oignons, je ne pleure pas. Donc je me dis, waouh, c'est vachement bien aussi. Tu vois, c'est une allégorie, c'est une métaphore, mais oui, ça peut aussi ne pas faire pleurer. Et dans le sens pas de la douleur, ni du trauma, ni du mal. Je trouve que ça, c'est très chouette aussi dans les fleurs de Bac. Je dis ça parce que je fais référence à mon histoire. Hein. Quand j'étais ado, vers 17 ans, j'étais voir un psychothérapeute et j'ai fait quelques séances avec lui. Et à un moment donné, il m'a dit, bah voilà, c'est fini, etc. J'ai dit, ok, moi je pense que c'est fini aussi. Enfin, c'est surtout moi qui lui ai dit, c'est fini. Il m'a dit, bah oui, moi je suis d'accord avec vous et on a arrêté là. Et quand j'ai découvert les fleurs de Bac, j'avais une trentaine d'années. Et j'ai compris, mais tellement de choses en l'espace de quelques mois par rapport à la psychothérapie que j'avais pu faire ou les autres thérapies. Parce que justement, c'est dans le respect de qui je suis. Et on ne va pas aller fouiller à l'intérieur
Il n'y a que moi qui ai le secret de ça. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est juste inouï comme expérience. Vraiment, c'est un outil de connaissance de soi. On ne peut pas faire plus proche de ce respect de là. Et puis de cette responsabilité qu'on a. C'est-à-dire qu'on est responsable, Bach nous parle, on est responsable de notre santé. Ça peut faire peur quand on entend ça. Et en même temps, ça nous met face aussi à nos propres limites. On a le droit de ne pas faire, mais on a le droit de faire aussi. Et ça nous incombe. Et par rapport à la pelure d'oignon, et cet oignon qui peut faire pleurer, eh bien justement, je trouve qu'en psychothérapie, des fois, moi, j'ai eu des moments où je me sentais terriblement coupable. Bah, déjà, c'était un peu mon empreinte d'incarnation d'être coupable d'être née, hein, d'être là. Et du coup, bah, ça remet en cause plein de choses. Et avec les fleurs de Bach, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de diligence, parce qu'on parle des deux parties de l'émotion. Il y a le côté douloureux qui est en déséquilibre, c'est pour ça qu'on va certainement aller chercher des fleurs, et il y a le côté très vertueux et lumineux que la fleur nous apporte, parce qu'elle va nous aider à retrouver cet état d'harmonie et d'équilibre. Et c'est avec son concours qu'on va retrouver cette partie vertueuse qu'on a en nous. Et là, pour le coup, je trouve que c'est extrêmement gratifiant de découvrir toutes ces beautés qu'on a en nous. Et donc l'oignon ne me fait pas pleurer, en fait, finalement. Je me dis que c'est vachement cool d'y aller à ma mesure, et ça fait pas mal, en fait. C'est ça qui est chouette. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai personnellement. Je sais pas si vous, après, on parlera ensemble, hein, si il y a des expériences sur les fleurs de Bach, mais... Bien sûr. Mais alors toi, du coup, tu as quand même suivi une formation assez intensive, qui n'est pas forcément, je veux dire, idée pour tout le monde. Donc, quand on est novice, Si. on découvre les fleurs de Bach, quels sont les meilleurs conseils que tu peux nous donner pour que ça nous enrichisse quelque part? Pour qu'on n'essaye Alors, pas en faisant un coup dans l'eau pour rien parce qu'on ne l'a pas fait correctement, en quelque sorte, tu vois? c'est une expérience. Moi, je me dis, bon, de toute façon, tout est bon à prendre, tu vois. Je veux dire, si on se plante, et même quand tu as fait cette formation, tu peux aussi être amené à te tromper de fleur parce que tu es dans l'expérience aussi de l'apprentissage. Donc voilà, restons simples aussi, c'est pas grave s'il y a un coup d'épée dans l'eau. Le pire du pire qui puisse se produire, c'est que tu puisses te dire, bah, ça marche pas. Voilà, et ça, c'est un Ah peu oui, mais dommage. c'est dommage, Ouais, voilà, je suis autant se d'accord donner, avec toi. autant mettre tous les atouts de notre côté dès le début. Ouais, mais après, tu vois, on pourrait avoir cette quête de notion de perfection en disant, bah voilà, si je me plante, donc du coup, je sais pas, et du coup, bah, j'ose pas, et c'est dommage, parce que pour le coup, tu vois, tu as parlé du rescue, hein, le remède d'urgence, avec lequel, des fois, souvent, on vient aux fleurs de Bach, mais pas tout le temps, parce que personnellement, ça n'a pas été mon cas. Je suis arrivée vraiment sur des fleurs en unitaire, et pas du tout sur ce remède-là, j'y suis venue beaucoup plus tard. Mais pour le coup, oui, les formations, en fait, Bach, lui, quand il est décédé en 1936, il avait deux assistants. Il a écrit un bouquin. Déjà, son assistante entre 30 et 36, elle a accompagné ses travaux, hein, puis elle a collaboré. Donc, elle a bien vu l'exercice de cet homme-là dans son travail, avec ses propres patients. Elle a été radiologue. Et puis, l'autre assistant, c'était un industriel de la ville, hein, de Wallingford. Et il a dit à ses assistants, je vous confie, en fait, ce travail, et je vous demande de le répandre, en fait, et de savoir voilà, que ça existe, et de le faire savoir. Et donc le centre Bach a pour vocation, justement, cette notion-là, justement, de perpétuation, justement, de son travail, et de cette philosophie, de tout ce qui va avec les fleurs de Bach, parce que il n'y a pas que, comment dire, la connaissance des 38 fleurs. Si je vous montre ce bouquin-ci, alors ça, c'est un bouquin qui a été traduit en français, hein, parce que je vais vous montrer un bouquin en anglais. Voilà, à l'intérieur, il y a marqué les 12 guérisseurs et autres remèdes, et guéris-toi toi-même. Et en fait, ces deux titres-là, et sous ce titre-là générique en français, et avec ça, on a la base de la philosophie de Bach. Et donc, lui, il a laissé ce livre. Alors, il y a la fabrication des fleurs de Bach, et il y a la façon de les prendre, et il y a les descriptifs des 38 fleurs. Et donc, avec ça, on a toute la base, et il a fait le don à l'humanité. Donc, je suis en train de vous dire qu'en gros, si vous achetez ce bouquin à 10 euros, vous avez déjà la base de tout ce qui est des fondements de Bach. Après, vous pouvez faire des formations, évidemment. Voilà, tu m'as dit que j'étais formatrice, je suis pas la seule en France. Et pour le coup, oui, quand on va apprendre les fleurs de Bach, on sera accompagné de son formateur, et on va apprendre comme
un nouveau langage, donc le langage émotionnel. On va apprendre voilà, que celle-ci, elle a cette vocation-là, celle-ci est différente, même si elles sont dans la même famille émotionnelle, etc. Et on va se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc ça s'appelle le niveau 1, initiation fleur de Bac. Après, on a le niveau 2 qui s'appelle le perfectionnement fleur de Bac, et on va rentrer dans la subtilité des différentes fleurs. On va commencer à balbutier, à faire des phrases avec avec toutes ces émotions-là. Et puis, on va évidemment les utiliser pour nous, pour notre entourage. Et puis après, on ira, si on a envie. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait ce qu'il veut, hein. On n'est pas obligé d'aller au-delà. Et après, si on a envie, on peut devenir aussi soi-même conseiller agrément centre bac. Et c'est ouvert absolument à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. Moi, dans mes étudiants, je peux avoir une secrétaire de mairie comme un thérapeute, comme une infirmière, un préparateur en pharmacie, etc. Donc, voilà, c'est ouvert absolument à tout le monde. Et quand on devient conseiller agréé au centre bac, eh bien, on va signer le code de pratique et en fait, on reste fidèle à la méthode. C'est ça qu'on va signer surtout, hein. Et puis, on va apprendre à recevoir des personnes en face de nous pour les aider à décrypter leur propre émotionnel. Et voilà, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que ça parfait tout le cursus. Et puis après, ben oui. Oui, il y a des bouquins, oui, il y a des cours. Oui, on va faire nos expériences avec les fleurs, mais il y a surtout voilà, de prendre les fleurs soi-même aussi. C'est aussi là où on va beaucoup apprendre sur nous et sur les autres, hein, parce que si ça reste que intellectuel, ça n'a pas. C'est bien, mais c'est pas scolaire en fait. Le but, c'est vraiment de les ingérer et de les comprendre dans le vécu personnel. C'est ça qui va être fantastique aussi. C'est l'expérience qu'on va en tirer soi-même. Et puis voilà, prendre des notes aussi de ce que l'on vit à travers les fleurs. Tout ça va être les choses sur lesquelles on va s'appuyer, sur nos propres expériences et puis celles des autres. Et à force de les comparer et d'apprendre, apprendre, à apprendre, à les expérimenter, on aura son expertise personnelle aussi. Donc voilà. Oui, mais c'est chouette. Et d'ailleurs, ça, les fleurs de Bac, ça peut s'allier et travailler de pair avec d'autres formes de thérapie aussi, hein. Par exemple. Carrément. Ouais. Ouais, par exemple, il y a plein de sophrologues qui utilisent les fleurs de Bac. Il y a des personnes qui vont faire du Reiki, il y en a qui vont faire de l'hypnose, l'acupuncture chinoise. J'ai formé une directrice d'EHPAD, tu vois, qui voit avec. Alors, elle, j'avais formé cinq personnes, dont elle, au niveau 2. Donc, tu vois, ils avaient tous donc, un niveau 1, un niveau 2. Et elle est devenue conseillère agréée du centre Bac. Donc, elle fait des protocoles, tu vois, avec les familles aussi pour des personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer. J'ai formé une psychologue clinicienne. Voilà, il y a beaucoup de préparateurs en pharmacie aussi, et de pharmaciens. Il y a des péricultrices. Enfin, tu vois, il y a des gens qui vont œuvrer dans ce sens-là parce qu'ils sont des soignants, on va dire. Hein, voilà, des ostéopathes, voilà, sages-femmes et compagnie. Et puis, tu as des personnes qui, dans leur vie au quotidien, ont envie d'aller plus loin dans leur quête personnelle et sur justement cette autonomie, tu vois, de. Alors, ce n'est pas une question de maîtriser les fleurs, mais c'est sûr que, évidemment, tu vois, c'est comme les huiles essentielles, comme la gémothérapie, comme la phyto, comme l'alimentation. Quand tu es un peu plus au courant comment fonctionne une pomme plutôt qu'une autre, tu vois, une Granny Smith par rapport à une Golden, bah, tu dis, ah, je suis vachement à l'aise quand je fais ma tarte tatin. Bah, c'est un peu pareil avec les fleurs de Bac, tu vois, c'est tout bête, tu vois, je vais dire tout con, mais en même temps. C'est forcément plus tu maîtrises au début quand tu apprends à faire une pâte à crêpes, tu es un peu gauche et tu sais pas trop. Puis après, bah, tu es à l'aise, tu mets flop, 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 tu n'as pas besoin du tout tu vois, de regarder les quantités et puis tu fais ta pâte à crêpes. Bon, bah, c'est un peu pareil avec les fleurs de Bac, tu vois. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être un soignant et un accompagnant. Par contre, pour moi, ce serait un prérequis presque à la maternelle, tu vois. De connaître son système émotionnel et tout ce langage universel des émotions. Parce que, voilà, si on parle des émotions traditionnelles, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, mais tu sais, on parle de la peur, de la joie, de la tristesse, le dégoût, la colère. Je sais pas si vous en avez d'autres, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Et puis ça s'arrête là. Alors que Bach, il nous dit la rumination mentale, c'est une émotion, le manque de confiance en soi, c'est une émotion, la nostalgie, c'est une émotion. Et tu dis, non, attends, c'est pas une émotion, c'est pas ce que j'ai appris à l'école. Oui, mais Bach, il dit autre chose. Et du coup, dans cette autre chose, ça donne beaucoup de subtilité sur notre façon de vivre au quotidien la vie, en fait, tout simplement. Et donc, quand on arrive à décoder ça, bah, c'est une façon de, voilà,
Après, on se traite de nom de fleurs, tu vois. On dit, ah ben, je suis un peu bitch, ou je suis un peu gentiane, et je suis un peu honeysuckle. C'est notre jargon, parce qu'on les dit en anglais. Hein. Bach était anglais, donc les fleurs, on les nomme comme ça. Mais voilà, c'est rigolo, tu vois. C'est aussi une façon de décoder nos perceptions perpétuelles, parce qu'on est entre le matin et le soir, il y a des milliards d'émotions qui nous arrivent tout le temps. Il y en a qui vont passer comme ça et on ne va pas prêter attention, on ne va pas forcément prendre une fleur à ce moment-là. Puis il y a des moments où on se dit, bah, voilà, c'est récurrent, tu sais, j'avais la main dessus, pas fait exprès, mais tu vois, si je prends la fleur de l'impatience, si tu es impatiente une fois parce que bah, voilà, tu vas au cinéma et que je sais pas, il y a un embouteillage et que tu n'arrives pas à l'heure, bah, tu es impatiente, ce n'est pas très grave, tu t'identifies en tant qu'impatiente et c'est OK, tu n'as pas besoin de prendre la fleur de Bach. Et par contre, si tu es tout le temps en ce moment comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on te dit un truc, ça va pas assez vite, que tu attends les résultats de quelque chose, que tu es escagassé quand l'autre met du temps pour te parler ou te raconter un truc, ou tu es là à soupirer, à t'agacer, tu dis là, pétard, faut que je fasse quelque chose, j'en peux plus, je m'auto-saoule, tu vois. Et du coup, oui, tu vas aller regarder la fleur et tu vas dire, bon, allez. Mais déjà, le fait d'identifier qu'on se retrouve là dans cet état-là, moi, je trouve que c'est déjà extrêmement aidant. Au-delà du fait de prendre la fleur après dans la bouche, etc. Tu vois? Et c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait. Tu vois, voilà. Tu vois cette fleur-ci. Bon, bah voilà, ok, je vais prendre deux gouttes d'impatience ou je vais me faire carrément un traitement parce que ça peut être carrément même un trait de caractère. On a vu chez nous, chez nos enfants, chez nos compagnons, nos amis, nos frères, nos sœurs, il y a des fois des traits de caractère qui sont extrêmement particuliers parce qu'on voit que la personne est tout le temps un peu là-dedans. C'est comme ça. Eh bien, le fait de l'identifier, c'est déjà, je trouve, un état de. Tu sais, c'est comme si tu montais une petite étape de soi, de dire, OK, ça, je le comprends. Et déjà, je le vois. Et eh ben, c'est vachement sécurisant de mettre un mot sur son trouble émotionnel, entre guillemets. Alors qu'on sait qu'on est énervé, mais on ne sait pas vraiment l'identifier. Et dès qu'on sait qu'on est. Ah ouais, là, tu es impatiente. Là, tu es découragée. Là, tu culpabilises, tu t'en veux. Là, tu te prends la tête, c'est en boucle dans ta tête. Et ben, tu vois, c'est un décodage avec 38 émotions. Et ben, ce n'est pas que 5 qu'on vient de voir. Et ben, personnellement, par rapport à la psychothérapie dont je parlais tout à l'heure, je ne mets rien contre la psychothérapie, je trouve ça formidable. Hein. Je ne juge pas ça. Hein. Mais l'expérience que j'en ai par rapport à la connaissance de moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à me découvrir à travers un travail psychothérapeutique, entre guillemets, que cette découverte en très peu de temps sur les fleurs. Ça a été fulgurant pour moi, tu vois, de mettre un mot, ça a été extrêmement porteur, en fait, et justement très déculpabilisant, parce que très sécurisant de pouvoir poser un mot en disant, tiens, je peux me soutenir avec cette fleur-là, et de voir mon comportement s'adapter, se transformer, se transmuter, mais carrément même voir disparaître pour certains traits de mes caractères. Et là, j'ai été mais tellement bluffée que je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Et donc, évidemment, quand j'ai fait mon niveau 1 en 2000, enfin déjà, mes premières fleurs, c'était Santori, qui est la fleur de la personne qui est un peu trop soumise, tu vois, à dire oui à tout. Et ça, c'est la première fleur que j'ai prise, Santori. Elle est jolie. Et donc, ben, je pensais que ce serait à vie, eh bien non. Et en même temps, je continue à l'apprendre par moments hein, dans certains aspects de ma vie. Mais cette fleur-ci, Santori, eh bien c'est une fleur qui m'a, voilà, c'est elle qui m'a ouvert aux fleurs. Donc voilà. Après, j'ai fait mon niveau 1 en voilà l'orthographe de Santori. Donc ça, c'était en 98, ma première fleur. Après, voilà, j'ai fait 2 ans après la formation. Mais entre 98 et 2000. Je me suis bien sûr renseignée et là j'ai ouvert un univers qui m'a bluffée quoi. C'est scotchant. Et puis bah, le témoignage des autres aussi hein, que j'ai en permanence autour de moi, c'est véritablement bluffant. En tout cas, C'est assez. la manière dont tu en parles, c'est chouette parce que ça paraît très abordable, tu vois. Pas quelque chose de compliqué, on peut se l'approprier facilement. Et nous, on aime bien justement pouvoir être autonome par rapport à ce Carrément. qu'on veut faire et voilà, conscientiser les choses, prendre des responsabilités aussi. Et donc, oui, ça donne envie de découvrir tout ça. Et toi aussi, tu as écrit des livres, il me semble, non? Pour nous aider. Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, oui, tu vois, c'est important ce que tu dis parce que j'ai rebondi dessus avant de montrer mes livres. C'est que bah, je te remercie déjà parce que c'est aussi c'est notre rôle, tu vois, au centre BAC. C'est-à-dire que quand tu décides d'être conseiller agréé du centre BAC, tu vas œuvrer vraiment dans ce sens de cette simplicité.
C'est vraiment un des maîtres mots, on va dire, du centre Bach. Bon, déjà, sur la porte de la petite maison du docteur Bach, il y a une plaque. Hein. Alors, on ne va pas la voir là parce que je ne vais pas pouvoir la zoomer, mais vous voyez bien qu'il y a une petite plaque. Enfin, je dis, vous voyez bien, j'en sais rien. Il y a un petit carré ici, c'est une petite plaque. Et il y a marqué docteur Edouard Bach avec tous ces petits titres honorifiques qui sont des espèces d'abréviations. Il y a les deux noms des assistants, Nora Wicks et Victor Bullen. Et puis, il y a trois mots gravés dessous. Il y a marqué Simplicity, Humility, Compassion. Bon, j'aime bien dire que l'anglais a beaucoup de racines françaises. Ce sont des mots quasiment français, hein, simplicité, humilité, compassion. Donc oui, bah, écoute, si c'est simple et que ça donne envie parce que ça a l'air d'être simple, c'est chouette. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, parce que bien sûr, il y a des écueils entre, tiens, je choisis ça, mais est-ce que ça veut dire que c'est vraiment ça, de ce que je ressens, est-ce que c'est vraiment cette fleur-là? Bah, ça, c'est un chemin, évidemment, qu'on va apprendre et qu'on va découvrir. Hein. Mais oui, ça reste très, très simple. Et il faut que ça reste simple. Et c'est ce que souhaitait Bach, que ça reste simple et accessible à tous. Et vraiment, un enfant de 4 ans peut comprendre. Et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les enfants. Alors, nous, on appelle ça des entretiens, on appelle ça pas des consultations, hein, parce que c'est pas, voilà, on n'est pas des médecins, enfin, sauf ceux qui sont médecins, bien sûr, qui apprennent les fleurs de Bach, mais ce n'est pas mon cas. Et du coup, on appelle ça des entretiens de fleurs de Bach. Et pour le coup, on est sur l'entretien de fleurs de Bach. Et avec les enfants, c'est très, très simple. Ils comprennent parfaitement bien que ce qu'ils vivent émotionnellement, ça peut être un soutien. Et ils vont préparer, enfin moi j'aime bien leur aider à faire ce petit flacon eux-mêmes, hein, ils vont mettre leur petite goutte, des fois même je les aide, tu vois, à cliquer deux fois sur le petit capuchon pour mettre les petites gouttes, et le parent en général à côté me regarde en disant, mais vous y croyez, hein? Même avec des enfants de 2 ans, j'arrive à le faire, ils me disent, non mais c'est pas possible, et je dis, si, on va y arriver, donc je suis à 4 pattes par terre avec eux, et puis voilà, on prend la petite fiole, on met 2 petites gouttes, et après ils prennent leur flacon, puis voilà, tu parlais de responsabilité, mais ils sont tellement contents d'avoir leur flacon de fleurs pour eux. Un jour, j'avais une maman qui m'avait fait un WhatsApp comme ça. Après, c'était pour un de ses fils et qui s'entendait pas du tout avec son petit frère. Et du coup, le petit garçon était revenu chez lui, alors le temps de prendre le train pour rentrer chez eux. Et elle m'avait envoyé un texto le lendemain en disant mon fils m'a parlé de vous en disant elle fait un métier génial. Et elle m'avait dit tout de suite, voilà, il était parti, je crois, faire une randonnée en scout avec son frère, et il y avait déjà des résultats fantastiques. Alors qu'au début, il avait 11 ans, il me regardait, il me disait, bah, c'est pas des petits flacons là quand même qui vont m'aider, avec un regard très critique, et c'était trop rigolo. Et du coup, voilà, on reste dans cette simplicité aussi. Je trouve que c'est vachement important. Donc, les bouquins, je ne me perds pas. J'ai écrit le premier bouquin qui s'appelle. Au début, j'avais commencé avec un agenda. On m'avait fait une commande d'un agenda de fleurs de Bach en 2018. Et puis, j'ai commencé par celui-ci après, qui est un espèce de livre un peu de vulgarisation, mais c'est surtout un espace aussi dédié d'écriture où vous allez pouvoir rentrer votre cheminement émotionnel par rapport à chacune des fleurs. Donc, j'ai mis des couleurs pour qu'on voit bien les fleurs. Voilà. Et puis il y a toute une batterie de questions, et puis il y a surtout bah, toute l'histoire de Bach à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être une clé d'entrée. Après, j'ai fait un livre différent, mais sur les enfants et l'accompagnement des fleurs de Bach. Donc c'est soigner dans le sens prendre soin, évidemment, on ne soigne personne. Les fleurs de Bach, elles ne sont pas dans un soin corporel. On ne traite pas de maladie, on traite l'émotionnel, et donc on va soutenir l'émotion dans le cadre de pathologie, et on continue à voir son médecin, on n'arrête pas ses traitements avec les fleurs de Bach, hein, on ne fait pas de bêtises. Donc voilà, là il y a 50 fiches sur différentes thématiques sur l'accompagnement des enfants avec les émotions, et puis un petit chapitre dédié aux parents aussi, et puis le dernier qui est un livre aussi, mais cette fois-ci en couleur, donc pareil, il y a les 38 fleurs, et puis bah, ça s'appelle le guide visuel, donc voilà, il y a beaucoup de visuels, et puis voilà, la base de la philosophie de Bach, voilà, c'est un livre pour vous aider à être autonome aussi, donc voilà, et puis c'est pas fini, il y en aura d'autres. On en a d'autres, on a hâte. Oui, ton livre, effectivement, Soigner les enfants, nous, ça nous parle parce que ben, quand il y a des frères et sœurs qui sont impactés par la perte de leur frère ou de leur sœur, on est très souvent démunis dans une forme d'impuissance. Et puis, ben, les traîner chez un thérapeute, ben, c'est compliqué.
Il y a souvent une forme de déni chez les frères et sœurs aussi. Donc effectivement, de pouvoir un petit peu essayer de trouver de l'aide par ce biais. Il y a certaines d'entre nous qui ont aussi des petits-enfants qui sont encore plus réceptifs, hein. Donc ouais, c'est chouette que tu puisses nous mettre aussi ces ressources à disposition pour celles que ça intéresse. Merci Oui, Nathalie. carrément. Mais j'avais fait un chapitre sur justement sur le deuil. Et on avait évoqué sur chacun des lives, hein, que ce soit avec Sandra, Caroline ou toi, c'est quelque chose que j'ai évoqué spontanément parce que c'est important de traiter toute la sphère familiale, hein, parce que tout le Merci. monde est impacté. Donc, évidemment, les enfants, les frères et sœurs, c'est du bon sens. Et il y a tellement de choses à faire autour de ça, évidemment, carrément. C'est très important. Et souvent, alors j'ai eu, alors c'était pas dans le cadre d'un décès familial, mais c'était une adolescente notamment qui avait des troubles particuliers. Et donc voilà, c'était sa tante qui m'avait proposé, avec le concours de sa maman et son papa, de pouvoir l'accompagner. Donc elle avait, voilà, elle était adolescente et elle m'a dit, ça fait des années que je suis traitée en pédopsychiatrie, en psychiatrie, voilà. Et c'est la première fois que j'ai l'impression d'être vraiment entendue, juste en 1 heure d'entretien de Fleur de Bac. Donc, vous voyez que c'est une écoute qui est tout à fait singulière et particulière parce que on va au cœur de la problématique de chacun, chacune. Et c'est une approche qui est complètement différente. Et au-delà du fait que ce ne soit pas thérapeutique, il y a cette approche de cette écoute émotionnelle, de ce temps qui est requis pour la perception de tous ces méandres émotionnels qui se sont mis en place, avec ces réponses de chacune des fleurs, et voilà, qui fait que c'est quelque chose de tout à fait unique, quoi. Donc je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme ça, sans faire de témoignage, mais sauf si l'une d'entre vous, après, à la fin, avait envie de me poser un cas pratique, étude de cas, je peux le faire en direct parce que je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais oui, c'est vraiment tout à fait particulier. Et les enfants, souvent, c'est assez fulgurant la réponse de rééquilibrage émotionnel. Alors, c'est difficile de faire une comparaison entre la vie d'adulte, son émotionnel et celui de l'enfant, mais souvent, 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 le constat, c'est que si nous, entre guillemets, ça pourrait mettre voilà, 2, 3, 4 semaines, des mois, pour certains enfants, ça peut être fulgurant, du type quelques semaines, quoi. Et ils passent à autre chose. Alors, je mets un bémol, hein, parce que je ne peux pas faire de généralité, bien sûr, sur toutes les études de cas, voilà. Mais la réponse et l'équilibre se fait de façon beaucoup plus fulgurante que nous. C'est souvent le cas. Du coup, toi personnellement, on peut te demander comment tu es tombée dans les fleurs de Bac. Est-ce qu'il t'est arrivé un événement spécifique, quelque chose qui a fait que tu t'es tournée vers ça plutôt qu'autre chose et tu t'es dit, ah oui, ça me parle vraiment, c'est ça qui va m'aider? Alors, il y a plein d'événements dans ma vie qui m'ont aidée à être ce que je suis. Ça commence déjà dans ma vie intra-utérine. J'aime bien reparler de tout ça, mais parce que c'est mon histoire aussi, et puis que c'est mon travail. Parce que ceci explique cela. On n'est jamais au hasard de ce que nous sommes à l'instant T de nos vies. Et je pense que si on devait chacune s'interroger là, on va mettre du sens partout. Vous voyez, voilà. Les mamans lumineuses et les papas aussi, ça a du sens parce que vous avez traversé vos épreuves aussi. Et donc, toutes ces personnes qui vont nous écouter là aussi sont exactement pile là au moment où il faut être avec ce chemin qui est tout à fait unique et singulier. Et donc, oui, moi, ça a commencé dans ma vie intra-utérine, dans ma naissance, dans la gestation que j'ai eue aussi. Et puis, voilà, j'ai une petite sœur qui est décédée à l'âge de 6 mois. Et puis j'ai cheminé dans ma vie, ça a été une enfance et une adolescence extrêmement chaotique, extrêmement douloureuse, et donc avec beaucoup de questionnements sur moi. Donc j'ai l'impression d'être née avec cette quête de sens et cette spécificité de cette certitude d'un ailleurs et d'un au-delà. Et donc voilà, j'ai toujours cherché et j'ai toujours voulu avoir des réponses. Donc ça a commencé très tôt. Mon arrière-grand-mère tirait les cartes, donc j'étais déjà là-dedans. Ma mère aussi était très dans tout ce qui était justement EMI ou les Incas, les Mayas. À l'époque, c'était la seule édition, c'était les éditions de Chouche. Je ne sais pas si ça vous parle de quelque chose. Ces éditions en noir et blanc avec or, enfin c'était noir et or, qui étaient les seuls éditeurs qui parlaient de choses un peu
Alors, ésotérique, caché, voilà, de toutes ces choses-là. Et puis, voilà, des recherches, la psychothérapie, et puis de la, voilà, de l'astrologie chinoise, voilà, tout plein de choses, des oracles, et puis des choses aussi peu conventionnelles, hein, d'aller voir aussi des personnes, voilà, des rebouteux, j'ai vu des éthiopathes, des ostéopathes, et j'ai cheminé avec une femme que j'ai rencontrée donc en 98 qui faisait de la kinésiologie. Et dans ses outils, cette femme-là avait les fleurs de Bac. Donc voilà, je suis tombée dedans, non pas sur une pratique, on va dire, qui appartient au centre Bac, parce qu'au centre Bac, on n'utilise pas de méridien ou de pouls ou de quoi que ce soit pour utiliser les fleurs de Bac. En tout cas, les utiliser pour discuter avec les fleurs. Hein. Et là, voilà, c'est tombé comme ça. Donc, cette femme, ben, en touchant mon pouls et en racontant ce que j'étais en train de raconter de ma vie de jeune maman à l'époque, c'est tombé sur la fleur Centaurie et ça a explosé mon cerveau. Mais bon, j'étais aussi dans une démarche aussi très nature. Je me faisais des masques à l'argile quand j'avais 14 ans. Vous voyez, j'ai toujours été là-dedans, dans les plantes, dans la nature, etc. Donc, c'est pour moi, il y a une continuité, une logique aussi. Ça devait en fait, hein, puisque je ne pensais pas que j'allais en exercer cette activité, parce que ce n'est pas un métier non plus, hein, les fleurs de Bac. C'est devenu un métier, mais ça n'en est pas un au départ. Hein. Et donc voilà, pour moi, c'est très logique aussi d'accompagner toutes les personnes qui. Et puis je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement chahuté émotionnellement, selon les cultures. Hein, selon les cultures, on va dire culturelles, quand je parle de culture, ça peut être le Japon, l'Amérique latine ou la France, ou l'Angleterre. J'ai beaucoup collaboré avec des Anglais. Vous voyez, on n'est pas du tout sur le même registre émotionnel. Voilà, on est tous différents. On n'a pas toujours vécu non plus dans des familles où les émotions étaient autorisées ou étaient des fois accepté, etc. Et pour le coup, moi, les émotions, ça a toujours été quelque chose d'une grande évidence, en fait. Et je suis heureuse d'avoir rencontré quelqu'un qui a mis au point ce système où je puisse aussi identifier toutes ces parts de moi, en fait, ces 38 parts de moi qui sont les 38 fleurs. Et donc, du coup, c'est un peu normal que je sois tombée là-dedans. Après, il y a plein d'autres métiers qui parlent d'émotions, mais pas aussi, je trouve, aussi poussées, on va dire. Alors j'aurais pu venir peut-être, je ne sais pas, neuroscientologue, ça ne se dit pas, mais tu vois, voilà, j'aime bien l'étude de la vie humaine de l'individu, évidemment, ça parle de tout ça aussi, les fleurs de Bac, c'est découvrir qui nous sommes et qui sont les autres, et donc nous accepter nous-mêmes et accepter les autres, vivre avec soi-même, donc vivre avec les autres, se tolérer soi-même et tolérer les autres. Être patient et indulgent avec soi-même, donc être patient et indulgent avec les autres, accepter l'inacceptable pour soi et accepter l'inacceptable pour les autres. Et voilà, c'est un espèce de jeu de miroir aussi permanent que je trouve juste fantastique. Et pour moi, ça a été ma thérapie, en fait, si c'en est pas une, en tout cas, ça m'a aidé à être plus en paix avec moi-même, ça c'est clair. Ben là, en Est-ce fait, que j'ai répondu à la question, Hélène, ou pas? oui, Je sais pas. non seulement tu as bien répondu, mais tu viens de nommer en fait toutes ces choses qu'on doit réapprivoiser nous dans notre vie d'après. Donc ça a du sens tout ce que tu expliques. C'est clair. Mais dans la vie de maintenant, tu vois, pour moi, la vie d'après, elle est déjà là. En fait, on est déjà en train de la préparer tout de suite. Et puis, toutes ces parts, tu vois, j'ai parlé de culpabilité aussi, parce que c'était vraiment une fleur que j'ai énormément prise, Pine. Voilà, coupable, 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 coupable. Hein, c'est vraiment, voilà, ça peut être le chemin de vie de beaucoup de gens. Alors, je fais peut-être une généralité, hein, mais ça, c'est la fleur Pine, donc Pine. Et moi, c'est une fleur qui m'a sauvé la vie parce que. Je me suis tellement sentie légitime de plein plein de choses. J'ai eu tellement peur aussi dans ma vie, donc j'ai beaucoup pris Mimulus. Ça c'est Pine, la fleur des peurs. Hein. Oser faire des choses, hein, vous voyez, la parler, discuter, écrire des bouquins, mais jamais de la vie j'aurais pu faire ça avant. C'est un truc de fou, quoi. Mimulus, cette fleur des peurs identifiées, hein, la timidité, le cœur qui bat, les mains moites au moment de prendre la parole. Le fait de pas vouloir se montrer, et puis la dévalorisation aussi, l'arche, hein, le manque de confiance en soi. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable, les autres font mieux que moi. Voyez, c'est magnifique de pouvoir se réconcilier avec soi.
Et après, on ne se la pète pas parce qu'on prend du large, hein. C'est pas le but non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça pourrait, mais non, c'est pas le cas, hein. Le but, c'est de se dire, ouais, bah ouais, tu es capable comme tout le monde, ou tu es capable de ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment joli, je crois, d'apprendre à s'aimer, quoi. Enfin, moi, c'était mon chemin, quoi. Donc, si je peux le faire dans mon travail d'accompagnement et dans tout ce que je livre gratuitement et les partages, eh bien, il y a là, je dirais. Et si je meurs tout de suite, tu vois, ou demain, ben, au moins, j'aurais fait ma part de colibri d'amour de moi-même et de peut-être, voilà, d'aider aussi chacun à se revoir avec un œil différent, tu vois, avec le concours des fleurs. Et encore une fois, même si on ne les prend pas, juste le dire, ah ouais, je manque de confiance en moi, où j'ai peur, et ben ça c'est déjà énorme. Et des fois on s'en rend même pas compte, on ne sait pas véritablement ce que l'on vit à l'intérieur de soi. On dit je suis angoissée, je suis pas bien, je suis en colère, ça m'énerve. Et derrière il y a des trucs comme ça qui arrivent. Ah ouais, ok, c'est ça, ça m'énerve, j'avais pas compris en fait. Et quand on se comprend mieux, ben c'est plus facile d'accès, quoi. Tu vois, c'est une forme de décodage. Ça peut faire un peu pompeux, mais sur Instagram, je me suis qualifiée en tant que facilitatrice de conscience émotionnelle. Ça fait un peu, je sais pas, mais bon, bref. Mais en même temps, je me dis, facilitatrice, c'est facile. Conscience, bah, voilà, ça donne de la lumière aussi, hein. C'est comme tu ouvres un bouquin, tu vois plus clair. Et puis émotionnel, bah, voilà, les émotions. Donc je me dis, bah, tout ce truc-là, c'est un peu ce qu'on devrait tous apprendre, en fait. Et je trouve ça chouette de pouvoir se prendre par la main, tu vois, et c'est pas du self-love, machin, t'es quelqu'un de bien, tu vois, du coaching perso, bidule, je suis pas du tout là-dedans, parce que, j'allais dire, putain, quand c'est dur, quoi, c'est pas la peine de se la raconter, ouais, je suis un warrior, je vais y arriver, non, j'y arrive pas, et c'est pas pour autant que je suis une grosse merde, ou c'est pas pour autant que j'ai raté ma vie, etc., c'est juste que là, ouais, c'est vachement dur, quoi, donc, ok, bah quoi? Et là-dedans, j'ai des réponses avec les fleurs, j'ai du soutien et j'ai de la métamorphose émotionnelle. Et c'est ça que je demande aux fleurs, en fait. C'est OK, j'ai pris conscience, mais après, fais ton taf aussi parce que j'en ai vraiment besoin, quoi. Que je reste pas là-dedans non plus dans ce, tu vois, de ce marasme où on a l'impression que ben, on est seul et qu'on va pas s'en sortir finalement dans nos méandres, parce que c'est compliqué. Et on a pas que les fleurs sur terre, hein. Je le dis souvent, on a un réseau, on a de la famille, on a des amis, on a nos passions, on a nos animaux, on a la terre, on a l'eau, on a le sommeil, hein, on a l'alimentation, on a la psychothérapie, on a tout un pataquès de trucs, mais des fois ça suffit pas. Donc, quand on fait des mix comme ça et qu'on va faire nos trucs qui nous font vraiment kiffer et surtout évoluer, avancer, bah c'est chouette. C'est vraiment chouette. Métamorphose émotionnelle. Je crois que ça nous parle bien. Non, Écoute, je ne sais pas, j'invente des mots, mais bon, tu vois, ça se trouve, je leur dirai ça pas. demain. Demain, je vais faire un post avec ça. Ouais, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, tu vois. Et à chaque fois, je suis bluffée. Parce que des fois, je suis haute en couleur, justement, émotionnelle. Et souvent, bah, j'ai fait des petits reels ou des petits posts comme ça en disant, mais ce matin, j'étais en vrac, j'étais incapable de rien. Et je suis toujours aussi bluffée de l'expression des fleurs en moi. Tu vois, c'est. Je ne suis pas blasée, je me dis, mais c'est un truc de fou, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe en moi avec la prise de la fleur, sur comment j'ai pu être dans un état aussi en vrac tout à l'heure, et comment là ça va. Je ne comprends pas le gap, en fait. Et pourtant, j'ai pris la fleur et je la comprends, et voilà, je suis au courant de ce qui se passe. Mais que ce mécanisme de rééquilibrage, c'est difficile de poser des mots, hein, sur déjà d'arriver à s'identifier émotionnellement, c'est pas fastoche. Mais quand ça va mieux après, on se dit, mais comment ça a marché? Tu vois, deux gouttes de ça dans un verre d'eau ou dans son petit flacon, parce que moi j'ai mon petit flacon personnel là actuellement. Tu vois, on peut mettre jusqu'à 7 fleurs ensemble sur ce qu'on identifie. Et donc ça évite de prendre pure les fleurs. Hein. Du coup, bah, je rassure aussi beaucoup les parents, hein, parce qu'il y a aussi des femmes enceintes, tu vois, ou allaitantes, ou des petits. C'est pas la peine de leur donner des fleurs pures, c'est la même chose qu'on s'est dilué. Et bien. Quand je m'observe et je me regarde tout au long d'une journée sur des choses qui peuvent soit tu vois surgir, bah, parce que c'est un coup de téléphone, parce que c'est une mauvaise nouvelle, parce que c'est un truc bah, qu'on vit tous aussi sur le niveau de la planète, hein, parce qu'il y a des informations dont nous sommes tous informés.
ou alors quelque chose qui est difficile à vivre actuellement sur moi pour X raisons, eh bien, le rééquilibrage de cette métamorphose justement émotionnelle est toujours aussi scotchant, bluffant, surprenant, incroyable, magique. Alors qu'il n'y a pas de magie, c'est vraiment, voilà, ça vaut le coup, je trouve, de l'expérience, en tout cas, hein, si on est dans le doute. Et encore une fois, si je reviens à tout début, tu disais, bah, justement, si on n'a pas fait de formation et tout, bah oui, des fois, il y a des gens qui vont me dire, ça n'a pas du tout marché, et je suis vachement déçue, j'ai pris des fleurs, ça n'a pas fonctionné. Alors, des fois, on ne se rend pas compte non plus des micro-mouvements en soi, et on n'attribue pas le changement à ce micro-mouvement. Et c'est déjà une part d'évolution. On aimerait des fois, tu sais, on part de, on est à, alors je vais dire, sur une échelle de 0 à 10, on est à 9,5, on n'en peut plus. Et on prend des fleurs de Bac et on attend d'être à 0. Ouais, mais non, ça ne se passe pas comme Non. ça. Il y a des fois, on va pouvoir, tu vois, bah, sur de l'impatience, sur des trucs des fois hyper, la vulgarisation de notre histoire de vie, là, où c'est OK, je gère, bon, c'est qu'un courrier, c'est pas grave, bim, bim, ça passe, OK, mais il y a des fois, il y a des trucs qui s'accrochent, et c'est pas, on passe pas de 9,5 à 9 comme ça, des fois, c'est 9, 1 dixième, ou tu vois, et on va passer de 9,5 à 8, et on va dire, ouais, bon, d'accord, il s'est pas vraiment passé grand-chose, je suis vachement déçue, ça marche pas. Des fois, prends du temps, et laisse voir venir aussi comment ça se passe, parce que des fois, ça ne se passe pas aussi de façon fulgurante. Hein. Ça dépend vraiment de ce que l'on vit. Donc, c'est du cas par cas, toujours pareil. Hein. Ben en tout cas, Je me tais parce que non, tu mais vois, quand tu me branches. en tout cas, tu donnes drôlement envie d'essayer si on n'a pas encore essayé. Moi, je t'avoue que je les ai utilisés en soutien au tout début. On me les a donnés d'ailleurs. Je ne sais plus qui, parce que j'étais dans un tel brouillard. Hein. Donc, j'avais effectivement Rescue et puis l'étoile de Bethléem que je prenais régulièrement. Et puis, oui, c'est. Après, je n'ai pas forcément suivi, mais à un moment, je me suis posé la question s'il ne fallait pas que je me replonge dedans pour un de mes enfants. Donc, tu vois, je recroise les fleurs de Bac à intervalles réguliers dans ma vie. Et puis, ça me parle aussi. Et puis, ça rejoint aussi d'autres choses que j'étudie. Et on en revient souvent à ce que tu expliquais tout à l'heure au niveau de la conscientisation. Si on a quelqu'un en face de soi ou si on arrive même soi-même à se poser les bonnes questions et arriver à mettre le doigt sur la cause réelle du problème ou sur la nature vraie de l'émotion qu'on ressent et pas juste se contenter de je suis énervée, ben déjà on avance à grands pas. Quand on le dit à voix haute, qu'on s'entend le dire, eh ben, il y a encore un autre mécanisme qui se met en place. Et si en plus, effectivement, on peut consolider tout ça avec quelque chose comme les fleurs dans ton cas, ou ça peut être de l'aromathérapie, ça peut aussi être ben, de la lithothérapie, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Tu mets vraiment toutes les chances de ton côté. Forcément, il y a des choses qui vont bouger. Mais nous, on apprend aussi, si tu veux, avec ce qu'on a vécu, à ne pas attendre des résultats immédiats, à être doux avec nous-mêmes, à se donner le temps de l'expérience, le temps de passer les vagues, et ensuite on fait le point. Et donc, je pense qu'on est peut-être dans une disposition d'esprit plus à même de comprendre et d'avoir la patience d'expérimenter avec quelque chose comme tu viens de nous le décrire, en tout cas, je l'espère. Et donc, bah, je te remercie vraiment pour toutes les explications, l'enthousiasme avec lequel tu nous donnes tout ça. Et puis, bah, on aurait presque envie, tu vois, de rien faire et de dire, on a une super conseillère là, on va se faire un rendez-vous avec elle et elle va nous mettre le pied à Après, voilà, terre. tu sais, moi je t'ai dit, hein, si vous aviez besoin, voilà, qu'on fasse quelque chose ensemble aussi, même en direct, tu vois, voilà, pour faire un entretien, moi je suis tout à fait OK. Je voulais vous quand même parler d'une fleur, parce que tu as parlé de Star of Bethlehem, qui est évidemment fondamentale. Hein. Là, on va parler effectivement des deuils et tout ce trauma qui est là, et qui est là. Même si ça s'est vécu il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 6 ans, 6 mois, il est là. À partir du moment où l'émotionnel est présent, il est là. Donc c'est OK, on peut toujours prendre cette fleur. Et puis je voudrais quand même vous parler de Sweet Chestnut. Donc je vais vous donner l'orthographe Sweet, qui est très doux, n'est-ce pas? Et Chestnut, c'est du châtaignier. Je sais pas si on voit bien. Sweet Chestnut, voilà. C'est vraiment la fleur, on parle de nuit noire de l'âme. Tu vois, quand Bach il nous parle de ce texte, quand il nous décrit la fleur, il dit quand il semble que la personne ait atteint l'extrême limite de l'endurance. Donc, je vais pas décrire ce que vous avez vécu chacune et chacun, mais vous voyez à quel point on a l'impression que là, il y aura
plus possibilité d'aller au-delà de cette souffrance-là, eh bien vraiment, s'il y a une fleur aussi associée, ou pas, hein, ça peut être Sweet Chestnut toute seule ou Star of Bethlehem toute seule, évidemment, ou les deux, mais celle-ci, faites l'expérience de cette fleur parce qu'il y a des moments où on peut être dans cette espèce de tunnel où on ne voit pas la lumière, quoi. Alors qu'on est entouré, alors qu'il y a de la lumière, mais on ne peut pas la voir. On est dans un état où ça n'est plus possible de sortir la tête de l'eau. Et cette souffrance-là, c'est comme si c'était inscrit dans notre ADN, hein, et on ne voit pas comment pouvoir transcender cette torture aussi interne. Donc cette fleur, elle est exceptionnelle pour ce cas précis de cette émotion qui peut paraître, tu vois, quand je donne des cours au niveau 1, quand on découvre le système des fleurs, qu'on passe sur cette fleur-là, on dit waouh, c'est des gens hyper suicidaires et tout. Mais pas du tout, du tout. On n'est pas au bord du suicide. On est tellement, mais laminé. Il n'y a plus rien, en fait. Hein. Et ce n'est pas une désespérance due de toute façon, il faut que je me foute en l'air. C'est que la souffrance est telle qu'il n'y a pas de solution pour la faire taire, en fait. Hein. Et donc, les gens, quand je dis les gens, parce que je suis passée par là pour différentes raisons. Et je connais cet état-là. Et c'est ça qui est chouette avec les fleurs. C'est, voyez, on ne stigmatise pas ceux qui ont vécu des drames avec ceux qui ont vécu des drames. Ou même ça ne se compare pas avec ceux qui ont vécu des drames. À la limite, je vais dire, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Parce que le drame est à prendre en considération, évidemment. Je ne vais pas dire que ça, ton drame, n'a pas d'importance par rapport à ton drame et par rapport à ton drame. Mais dans les fleurs de Bach, on ne va pas quantifier ou qualifier le drame. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on n'est pas là dans une notion de soit de jugement, soit de comparaison. Je veux dire, le drame, on le vit, point. On n'a pas personne à rentrer dans cette considération-là. Mais pour le coup, cette fleur-là parle de tout ce qu'on va pouvoir vivre avec cette intensité-là. Et donc, même si ça n'est pas comparable, eh bien, cette émotion-là, elle est tout à fait identique à chacun. Et c'est ça que je trouve génial dans ce langage universel avec les fleurs de Bach, c'est qu'on va tous pouvoir se retrouver à un moment donné dans cette notion-là. Et vraiment, faites cette expérience, elle est cette fleur qui va nous aider aussi dans les moments où voilà, on aura besoin aussi de presque renaître de nos cendres. Où, voilà, on a l'impression que là, c'est trop complexe pour nous parce qu'on n'est plus en mesure de le faire et on peut aussi des fois se sentir seul et abandonné face à ce que l'on vit, hein, comme si personne ne pouvait nous venir en aide finalement. Et c'est pas un manque de foi non plus, hein, parce qu'il y a une fleur pour ça, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, je tiens à le préciser avant qu'on fasse une coupure ou voilà, Oui, c'est mais c'est drôle important. que tu parles de cette fleur, parce que ça me rappelle que je crois à la période de Noël, il y a une maman, je crois qu'elle est là ce soir avec nous d'ailleurs, qui avait fait un post et qui avait parlé de cette fleur dont tu viens de parler. On va Ouais, voir tout à l'heure dans la complètement. partie questions-réponses, si je me souviens bien ou pas, Oui. parce qu'elle voudra Ah peut-être oui. témoigner de son expérience par rapport à ça. Donc là, Avec pour plaisir. l'instant, je vais arrêter l'enregistrement et te remercier vraiment pour tous ces mots. Et comme je disais tout à l'heure, tout le peps, l'énergie, l'enthousiasme, mais en même temps, on sent cette douceur et cette bienveillance qui te caractérise. Et puis donc, je vais arrêter l'enregistrement là pour qu'on passe aux questions-réponses. Et vraiment, merci infiniment, Nathalie. Merci beaucoup.